Ici la Réunion, t'es maman, n'est na toute nation. Holangaze la maillé, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, n'est na toute nation. Langage la maillé, la fait rayonner. Madame, monsieur la société, adieu tout le monde, il est avec nous. Donne-moi bonjour, dans l'honneur, le respect. Pour bons officiels que les là, qui représentent l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental et l'Association des maires de la Réunion. Maintenant, on aura l'occasion de causer tout à l'heure et ça peut pas voir bien qui ça est. Mon bonjour, les pareils pour bande de monde dans la salle. Bande d'Alon, d'Alon, les avec nous depuis longtemps, mais aussi pour bande nouveau y arrive. Et mon bonjour, il est toujours aussi fort. Aux bonnes intervenants Gabier, vous allez éclairer notre chemin un peu mieux, sans doute, pas peut-être, sans doute. Voilà. Et n'oubliez pas un petit mot pour l'équipe CCE, membres personnels, le travail pour mettre en place, je vais aller là. Merci pour la préparation. Aujourd'hui, le 21 mai, vous avez connu déjà les marqués de bon papier. Et en bon français, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement déclarée par l'ONU sous l'impulsion de l'UNESCO. Mamie retient deux mots là-dedans. Dialogue et culturel. Parce que nous, le CCE, depuis quelque temps, n'y veut parler plus de la culture, mais n'y pense que le nécessaire de mettre en place aussi ce dialogue culturel pour notre société. L'occasion est bonne pour organiser, comme il dit, ils ont vu un peu notre slogan, un journée pour enlérir Gaïa tapis mendiant notre pays. Ils pensent que dans cette salle-là, ils ne pensent pas que le monde ils doutent, ils ne connaissent pas trop que ça est tapis mendiant maintenant. Ça va, en tout cas, les faits. Quand on a mis le CCE en place comme conseil consultatif, il était pour donner son opinion en priorité sur le plan de projet conseil régional. Mais il a écrit aussi, dans le règlement de l'époque, qu'il doit travailler pour protéger et puis mettre en l'air notre culture créole, notre réunionnaisité. Alors, nous l'a choisi trois qualités de notre identité pour faire ce bas de cause aujourd'hui. Notre manger, notre langue, notre musique. Il y en a d'autres qualités dans l'identité, hein? Notre manière de vivre, la religion. Mais la religion, je ne veux pas trop aborder parce que je veux respecter le travail que est fait par le groupe de dialogue interreligieux. Maintenant, il fait bon travail depuis longtemps et c'est à Jacques de voir comment il fait cette affaire. Et en tout cas, je connais Nana l'inscrire dans la salle et il fait partie de ce groupe-là et on est content de voir ça. Parce que le dialogue est total. Se manquer comme moi, il y en a deux mondes, ils retrouvent ça dans le papillon, disant que tu vois. S'il y fait un sondage, peut-être que dans cette salle-là, comme on l'a dit, il ne pense pas qu'il ne connaît pas. Mais nous l'avons fait avec d'autres jeunes un peu, il n'a pas bon côté, il connaît encore. Et c'est pour ça que nous pensons qu'avoir ça comme symbole est important. Pourquoi? Parce que les tapis mendiants là, il y en a un peu qui appellent ça tapis rosace. L'exemple, ils pensent que c'est celle-là. Je t'y approche un peu tout à l'heure. La dame qui l'a vu ça, elle a pas tenu ça. Elle dit non, il ne fait pas tapis mendiant, il appelle tapis rosace. Bon. C'est là-bas, tu dis tapis mendiant. Vous êtes connu aussi, il fait des napperons avec. Il fait aussi une piquette petit baba. Tout ça, là, hein, il fait. Et ça, c'était des jolies affaires pour nous à l'époque. Dans ce tapis mendiant-là, on peut trouver le mot peut-être pas choix pour certains, parce que n'importe quoi, tu regardes un peu sur notre ami commun, Google. Il a trouvé qu'effectivement,
il y en a de, pas mal de pays, il fait ce, quelque chose qui ressemble au tapis mendiant, là, sur la même haine femme que la... Je pense qu'elle est dans la salle, elle ne connaît pas elle très bien, mais Michael connaît elle bien, elle dit que même en Inde, il paraît qu'elle fait ça, et que c'est les femmes portugaises qui travaillent un peu sur la côte ouest, qui fait ce genre de tapis mendiant là aussi. Donc, on veut dire que c'est quelque chose, en fait, qui existe un petit peu dans le monde entier. Et quand on regarde allez, le tapis mendiant là, il y en a toutes sortes de qualités, la toile. Il y en a souvent la toile qui s'est jetée, des TCLP. Mais quand on met à lit, on fait avec, on fait le travail, on met ensemble, eh bien, il veut dire que tout prend la même valeur là-dedans. Et en plus, comme dit Bana, la valeur ajoutée, c'est que quand on regarde le tapis mendiant, il regarde à lit dans toute sa splendeur, si je peux dire ça, en bon créole, bien sûr. Et toute sa beauté, son gaillard, elle est là. Hein? On regarde, on voit l'ensemble, on ne voit pas. Un par un, de ce côté-là. Et ça, il veut dire que chacun, dans notre société-là, n'a pas de place dans le tapis mendiant. Et quand il regarde la valeur, il fait, c'est la valeur de notre pays. C'est pour ça que nous l'a bien dit, tapis mendiant, notre pays. Ça, il veut dire, nous aussi, si jamais, ni isole un, ni prend un petit, bon, peut-être, moi aussi, j'appelle le tapis losange. Si on prend un carré, un losange, un rosace, un de son côté, ou bien si on prend toutes les mêmes couleurs, il n'est pas pareil. Le monde moderne ne rattrape pas moins. Hein. Donc, il faut dire que dehors, là, juste un instant, que les va attendre un petit peu. Hein. Voilà. Bien, juste la rosace, un côté, ou même deux, trois rosaces pareilles, il ne représente pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est bien l'ensemble, c'est quand ils travaillent ensemble, que ne pense pas à faire une affaire tout seul, que ça, le travail collectif là, ça y paye et il donne la valeur. Plus que l'initiative personnelle dans tout ce qu'on y fait. Nous-mêmes, c'est moi-même, il peut dire personnellement, que c'est pas moi, Roger Ramchetti, qui a fait tout ça là. Là, l'équipe autour, les commissions, c'est tout le monde là, il l'a causé longtemps. Et après, la cause avec d'autres associations aussi, depuis 2019, je donnerai le détail tout à l'heure, pour pouvoir faire une affaire. Ce n'est pas une affaire personnelle pour moi, en tout cas. Moi, je vais aller comme ça. Hein. Mais tapis mendiant, il faut remonter aussi souvenir. Je ne connais pas si tout le monde a fait ça, mais moi, en tout cas, moi, je vois comment mon maman, mon mémé, ma tante aussi, a fait ça. Parce que souvent, c'était l'après-midi, ou à souver, après le repas du dimanche. Il arrive là, il met matériel dans un coin, il est sur son fauteuil, un petit enfant, il découpe un peu la toile, suivant le modèle, etc. Et puis il coude. Eh bien, pour faire tout ça là, peut-être le visuel de quelqu'un, le travail de quelqu'un, mais il y a aussi le fait qu'il y a un intéressement autour de créer une espèce d'ambiance. Et tout ça, il fait remonter à des souvenirs. Ben, on est content de voir ça. Mais la première chose que c'est à prendre à nous, ce tapis mendiant là, il faut la patience. Et pour construire notre société, notre pays, il est pareil. Il faut la patience. Il est comme ça dans la vie. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il ne faut pas parce que aujourd'hui nous a fait un colloque, il va dire que les affaires les réglées n'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, il est basé sur le fait que ce matin, on a besoin d'éclairer un peu notre chemin, mais l'après-midi, c'est tout le monde aura l'occasion de causer, de faire des propositions et concrètement comment il avance. Et là, ça, je pense que le professeur, qui était dans cette salle-là même, mais je pense que Bédanoussa, c'est le travail quotidien, tous les jours, qu'il fait avec des petits groupes, qu'il fait, il avance sur l'identité, il avance sur ce dialogue-là. Et ce n'est pas un colloque qui résout tous les problèmes. C'est l'occasion de mettre ça en avant, mais il ne résout pas le vrai problème. C'est dans la société, c'est tout le monde, c'est l'éducation populaire, l'éducation scolaire, tout ça les concerne. Alors, je me peux dire ça pour terminer, parce que je me laisse juste 5 minutes. Non, nous tapis mendiant, tu vois, il ne fait pas pitié. Non, nous tapis mendiant, les nains sont fiatés. Et oui, nous devons amener à l'île dans le chemin de l'éternité. Et pour ça, il dit,
Mais assis zot toutes les là. Zot causé va donner à nous l'espoir. Zot causé va donner à nous la force. Zot causé va donner à nous le courage. Si zot causé, imagine la réunion de demain. Voilà. Et bien, le président, Monsieur Cyril Melchior, président du département, et en mon nom, je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur le président de la CCEE, Monsieur Ramchetti, d'avoir associé le département à cet événement culturel d'importance de monde partout qui tient la Réunion. Merci pour votre invitation à cette belle manifestation inscrite dans le cadre de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Le département que je suis honorée de représenter parmi vous tous vraiment participe d'autant plus volontiers à cette célébration qu'elle permet au Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de mettre en lumière les éléments et sa conception du vivre ensemble réunionné. Vivre ensemble, un mot composé à la mode que l'on entend désormais partout et de la bouche de tout le monde, du citoyen de base aux élus des plus hautes assemblées, comme une raisonnable volonté de bannir les distances entre les citoyens, et tant mieux. Vivre ensemble, chaque commune de France, chaque département, chaque région a son vivre ensemble à faire valoir. Cependant, il faut bien admettre que notre vivre ensemble à nous n'est plus un mensonge, mais c'est des biens réels, bien vivants depuis longtemps. Notre vivre ensemble n'est plus à construire, mais il n'est pas pour autant figé, puisqu'il s'affine chaque jour et accepte de nouveaux regards et aussi de nouveaux visages. Vivre ensemble, un mot composé d'un verbe vraiment intransitif et d'un adverbe qui semble inséparable dans notre île. Notre réunion des cultures et des traditions qui sublime notre société multiculturelle, une société que nous chérissons, tous, et qui se nourrit de cette double notion de vie et d'unité. Votre affiche reproduisant la carte de la Réunion en forme de patchwork symbolique est vraiment parfaite, parce que tous ces rosaces, c'est la transmission de nos arrière-grands-parents, nos parents, et nous-mêmes, nous avons pris plaisir à faire à lui, à construire à lui, et des fois nous te mettons à nous à plusieurs pour réaliser notre grand tapis, pour mettre sur notre lit, ou alors pour mettre sur notre table aussi, pour faire joli, et pour accueillir le monde dans notre case. Et bien moi, je suis fière, fière de cette société avec laquelle je fais corps, et comment elle est contente d'être ici à La Réunion, et quand ma partie ailleurs, et bien, mon racine était toujours ici, et c'est avec plaisir que m'en avec vous aujourd'hui. Je perçois à travers ce tapis mendiant l'illustration de nos rues, toutes les rues qui sont joyeuses, de nos quartiers qui sont colorés, de nos communes aussi qui sont animées, parce que les croyants de toute confession et les païens, les pêcheurs et les charitables, les besogneux et les opulents se croisent, se voient, se parlent et se sourient chaque jour. Chaque jour, nous réalisons ensemble la grâce d'être en mouvement sur notre terre, la vie qu'on mène, le vivre ensemble avec chacun à notre place ici sur cette terre et dans l'univers, et d'y marcher comme chacun doit marcher, d'espérer ce que chacun peut espérer, de croire en ce que chacun doit croire et de partager
ce que chacun peut partager. Bref, de vivre cette joie d'être libre et ensemble, et de s'offrir de petits plaisirs, de vrais petits plaisirs, successifs, inverses et pareils, comme une récompense à la fois personnelle, mais aussi une récompense collective, une fierté de faire partie d'une humanité confrontée à un défi collectif que chacun apprend à relever avec l'autre et avec les autres. Mesdames et messieurs, vivre ensemble est un terme qui parle, qui interroge, qui interpelle de plus en plus, y compris dans notre île de la Réunion, dont le peuplement a été construit à partir de l'univers de l'exil. Nos archives enrichies par nos historiens ne manquent pas. Nos populations, comme vous savez, sont constituées d'apports de malgaches, d'africains, d'asiatiques, d'indiens, d'européens. Notre identité culturelle se construit dans le temps, au cœur de ce vaste espace indien-océanique qui est notre et au sein duquel les peuples sont unis par des liens pas toujours très perceptibles, mais ô combien indéfectibles. Une communauté de destin qui a puisé au fond d'elle la résistance nécessaire pour faire du passé une force. La force de ne pas faire continuellement de cet avant un instrument de révolte et un sujet de vengeance. La force pour affronter ensemble l'avenir. La force de consolider notre inégalable vivre ensemble et d'affirmer avec conviction notre identité réunionnaise au sein d'une société qui, si elle rejette l'uniformité, prône constamment l'inclusion dans la diversité. Cette société que l'on nous invite en est donc la somme de cultures et de traditions qui nous inscrivent dans un commun avec nous tous et avec chacun de nous. Pour ce que nous sommes et ce que nous tous et avec chacun de nous. Pour ce que nous sommes et surtout pour ce que nous avons à offrir. Ces éléments et ces événements, ces cultures et ces traditions écrivent chaque jour l'histoire et l'identité d'une grande et d'une belle famille, unie, réunie, la Réunion. Et nous tous, réunionnais et réunionnaises. Derrière la leçon de vie, il y a une leçon de partage et d'acceptation. Avancer avec l'autre, admettre mutuellement nos convictions, bannir tous nos préjugés et nos complexes, nous font prendre conscience de la réelle dimension des choses. Nous sommes uniques et pourtant, nous foulons le même sol, admirons la même lune, les mêmes étoiles et le même soleil. Nous regardons le même océan, buvons à la même eau de la même pluie et savourons les mêmes plaisirs de la vie. Nous sommes tous uniques. Et nous sommes aussi pareils. Donc, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle journée et de beaux échanges. Merci beaucoup. Si la Réunion est la toute nation, si la Réunion est la toute nation, langage la maillée, la fait rayonner. Un thème sélectionné pour les échanges, l'espace social alimentaire, la langue et la musique, notre musique, s'inscrivent dans le quotidien de notre art de vivre ensemble. Il y aurait encore tant de domaines à explorer. L'usage des plantes médicinales, l'ordonnancement des jardins, le génie de l'architecture créole, en racontant les histoires, les métiers d'art, l'infinie diversité de notre faune et flore. Ces sujets illustrent le rayonnement de nos savoir-faire, de notre excellence, et de l'importance de la transmission pour inspirer les pratiques et les renouveler. Les intervenants distingués de cette journée
Nos arbitants, guerriers dans toute qualité d'homme, ne manqueront pas d'éveiller notre conscience, particulièrement en cette période perturbée. En effet, la Réunion n'est pas épargnée par les crises sanitaires, économiques, sociétales, géopolitiques. Mais là où il y a menace pour l'humanité, nous sommes tous concernés. Mais toute crise est aussi l'opportunité de se mobiliser pour repenser notre rôle dans la défense et la promotion de la diversité culturelle en tant qu'outil de dialogue et de paix. Face à l'exacerbation des inégalités, la menace de fragmentation sociale, la tentation du repli, la culture nous offre le plus sûr des remparts. Facteur de cohésion sociale, la culture est en effet un véritable levier de développement pour converger vers une société apaisée et résiliente. Permettez-moi en cette journée de célébration de diversité culturelle de partager avec vous mon ambition de mettre en œuvre une politique culturelle adaptée à ce territoire, de la diversité linguistique, culturelle, cultuelle, environnementale, qui soit à l'écoute des acteurs et des habitants et respectueuse des droits culturels. Mais coupe un boudin parce qu'il faut 5 minutes. Autant vous dire que j'aurai besoin de votre soutien, car c'est ensemble que nous pouvons mieux appréhender les évolutions et disruptions de nos sociétés, mieux comprendre les forces en présence, dépasser nos préjugés et réimaginer un monde plus juste, équitable, inclusif, vivable et durable. Soyons donc fiers et riches de toutes nos diversités, diversité des langues, diversité des cultures. L'importance, je souligne, de la transmission de l'oralité aux nouvelles technologies, la diversité de nos manières de vivre, le respect de nos manières de vivre, de penser et d'être au monde. Je ne peux pas couper quelque chose que je voulais partager avec vous. Tapis mendiant, là, l'amène à nous loin, l'a dit, traverse l'humanité, le monde. Eh bien, je vais partager avec vous ces quelques mots. Je ne suis ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni de la mer, ni de la terre. Je ne suis ni matériel, ni éthéré, ni composé d'éléments. Je n'existe pas. Je ne suis une part de ce monde, ni d'un autre. Je ne descends ni d'Adam ni d'Ève, ni d'aucune origine. Ma place n'a pas de place, une trace de ce qui n'a pas de trace, ni corps ni âme. J'appartiens au bien-aimé. J'ai vu les deux mondes réunis en un seul, le premier, le dernier, celui du dehors, celui du dedans, simple comme le souffle d'un homme qui respire. Rumi, le tombeau. Voilà. C'est la Réunion et la toute nation. Langage la et la Réunion et la toute nation. Langage la maillée, la fait rayonner. C'est avec un grand enthousiasme que je participe à cette journée de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, comme un livre à écrire à plusieurs mains. Permettez-moi avant tout de remercier le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour l'initiative de cette célébration qui promet, au vu des invités, du programme et des ateliers avec les thématiques abordées, d'être variée, dense et enrichissante. Cette journée, proclamée par l'Organisation des Nations Unies en 2001, arrive à point nommé à la suite d'une semaine d'action menée dans plusieurs de nos communes autour des valeurs du vivre ensemble en paix. Depuis le 16 mai, en effet, la journée internationale du vivre ensemble en paix, bon nombre de collectivités se sont engagées auprès de nos associations, auprès d'organisations culturelles, religieuses, de simples citoyens, pour proposer à la population des activités valorisant les différents aspects de la culture réunionnaise, que Roger Malfetti a si bien développé tout à l'heure, pour valoriser l'identité, mais aussi la transmission des traditions ou la manière de faire société. La signature par les acteurs de l'action publique et leurs partenaires de la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix est un acte hautement humaniste, hautement symbolique, qui engage les signataires, à reconnaître et à reconnaître pour respecter la diversité réunionnaise
à lutter sans relâche contre toute forme de discrimination et à rechercher par tous les moyens une cohabitation apaisée dans nos territoires. C'est donc en toute cohérence que cette journée mondiale pour la diversité culturelle vient clôturer cette semaine à haute valeur humaniste. L'image du tapis mendiant choisie par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est évocatrice de ce lien très fort qui nous rassemble. Au-delà de nos origines, au-delà de nos histoires, de nos cultures, de nos langues, de nos religions, oui, de Mounpartou, il fait la réunion. De Mounpartou, la fenêtre a une langue ici. De Mounpartou, la invente nous commencer. De Mounpartou, la fenêtre musique, notre histoire, notre mémoire. Si on travaille ensemble, État, région, département, mais aussi partenaires associatifs, que nous réussirons le pari de préserver, de valoriser, de faire évoluer et transmettre notre patrimoine interculturel réunionnais. C'est tout le sens que revêt cette journée de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, qui ouvre le dialogue justement, et qui ouvre la concertation pour nous permettre de nous projeter dans l'avenir ensemble. Merci. C'est la réunion, et la réunion des toutes nations. L'engage la maillée, la fait rayonner. Cette journée donne l'occasion de mieux connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures et à prendre la mesure de la diversité de leurs apports, mais aussi de leur complémentarité et unicité. La diversité culturelle doit nous aider à reconnaître, à connaître et à respecter les apports culturels qui nous ont été transmis par nos ancêtres du Grand Océan Indien et d'Europe et de jeter des ponts vers le respect et la compréhension de nos origines, des traditions, des savoirs et de tout ce qui a construit notre histoire propre et notre identité, qui est plurielle et riche. L'occasion pour tous les participants d'échanger sur les trois thématiques inscrites et qui nous tiennent tous à cœur, notre morse, notre langue, notre musique, nous concerne tous et donne du sens à notre vivre ensemble. Le partage des savoirs et la découverte de nos richesses et de nos identités réunionnaises sont indispensables pour nous tous. La richesse de l'homme ne réside pas dans ce qu'il possède pour lui, mais dans ce qu'il a à donner et à transmettre. Quand on donne une richesse matérielle, on s'en prive pour l'autre, alors que quand on donne une richesse culturelle, celle-ci se multiplie. La qualité et l'expérience des intervenants qui ont été sélectionnés pour animer ces ateliers contribueront à l'enrichissement de nos connaissances et il faut les en remercier. Je vous souhaite donc que ces ateliers soient lieu et occasion d'information et d'enrichissement pour tous. Et je vous souhaite de fructueux échanges. Merci. C'est la réunion des toutes nations, langage la maillée.